Salut les amis. Alors ce soir pour le labo du jeu vidéo, je vais vous présenter le jeu House Flipper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on est une espèce d'homme à tout faire. Donc on reçoit des contrats sur notre ordinateur par mail et on doit faire des travaux de rénovation, de peinture, nettoyage. J'ai trouvé le principe assez rafraîchissant parce que c'est le premier jeu du genre que je vois. Et tout comme quand je vous avais présenté The Thief, où on débutait une carrière de cambrioleur, j'avais trouvé ça pareil, assez rafraîchissant, parce que j'en avais jamais vu de comme ça. Donc du coup, ça m'a donné envie de vous présenter celui-là. Donc on va tout de suite lancer le jeu, pour voir ce que ça donne. Oui. Alors, bienvenue dans House Flipper. Dans ce jeu, tu pourras acheter, rénover, décorer et vendre des maisons. Pour l'instant, tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et de ton ordinateur portable qui est ton centre de commande. Ouais, donc, comme vous le voyez, on débute dans un environnement assez dégueulasse quand même. Nettoyer ça. Libérer la porte pour rentrer quand même. Voilà. Il est temps d'aller voir sur mon ordinateur si j'ai un message. Oui. Il est peut-être... Oh là là. C'est pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est bon, je peux passer. Ouais, ok. Alors, voyons voir notre ordinateur. L'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers, d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre. Tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison, mais tu m'étonnes vu la maison qu'on a nous-mêmes déjà, ça serait le comble. Mais il semblerait que tu aies reçu un mail pour ton premier chantier. Ben, regardons ça. Alors... Sandra Ziegler, mon ex est parti avec mon radiateur. Ah, d'accord, si c'est tout ce qu'il avait à faire. Alors, bonjour, je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais grâce aux photos sur Facepam que mon ex, pour se venger, est entré par effraction chez moi et qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qui s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex-ami quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. Salutations, Sandra Ziegler. On va accepter. De toute façon, on n'avait que ça de proposer, donc c'est fait. Alors, tu as débloqué le balai espagnol. Félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Ok. Ah oui. Il n'a pas fait semblant, oui. Bon, on va prendre le balai. Faire un welcome un peu plus joli. Voilà. On va ramasser ça aussi. On va fermer la porte. Ça évitera que les petits curieux regardent. Je sais pas s'il y en a, mais... En règle générale, j'aime pas qu'on me regarde travailler. On ramasse les ordures. On ramasse la chaise. Elle est bien mieux sur ses quatre pieds. Celle-ci aussi. Voilà. Le petit vase.
continuer à ramasser des ordures. Oui, il a vraiment pourri l'appart. Hein. Ouais, y a rien d'autre à dire. Non. Ah, j'ai mon ex qui me fait ça. Je sais pas ce que je fais, mais à mon avis, j'y fais nettoyer l'appart et lécher le sol avec la langue. Quoi. Alors, à partir de maintenant, vous aurez une tablette à votre disposition. Appuyez sur la touche tabulation pour le supprimer ou le masquer. Cela vous permettra d'acheter des choses et sera utile dans le travail. Ok. Effectivement, il manque un radiateur. Bon, c'est un petit coup de balai. Alors autant dans The Thief on volait les choses à faire des gens que dans House Flipper on les répare. On aura vu les deux côtés. Les deux côtés du gameplay innovant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu plus propre déjà. On fera la chambre après. Alors, nettoyage des salissures 95%. Ah, il reste des salissures ici. Ah ouais, dans le lavabo. Bon, fait. Ah si, c'est ça. Tu te développes. Allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de capacité que tu viens de gagner. Ah, il y a un arbre de compétences en plus. Voyons ça. Alors, vision perspicace. Tu vois quelques-uns des salissures sur la minimap. Bombe à l'espagnol et ranger 25 fois plus rapidement. Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. Du coup, ici, les salissures c'est bon. Manque le radiateur du coup. On va acheter un radiateur. Pour le monter, ça peut être pratique. Alors, magasin. Bon, on va taper radiateur, ça va aller plus vite. Voilà. Hop. Et un radiateur. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Ça, c'est du service rapide, ça. Ça pouvait vraiment être comme ça. C'est bien fait quand même. On visse pour pas qu'il y ait de fuite. Et on ouvre le chauffage. Voilà. À partir de maintenant, tu peux terminer le chantier qui n'est pas encore entièrement fini. Bon, non, je vais tout finir. Je demanderai un peu plus cher à la dame, c'est pas grave. Du coup, je vais voir dans la chambre. On a des ordures. Voilà. Passer un coup de balai. Donc ici c'est bon. Apparemment. On va dans les pièces d'à côté. Et voilà, salle de bain. On a vraiment mis partout. Ben voilà, 100%. Ben les amis, nous venons de rénover, c'était plus du nettoyage là, notre première maison. Et nous avons gagné 655 euros. Bon, et on a travaillé, allez, on va dire 5 minutes, 5-10 minutes, ça va. Je le même patron. Chez nous, du coup. Hop. Peut-être en profiter pour passer un petit coup de balai vite fait quand même. Du coup. Peut-être rénover chez nous au fur et à mesure aussi. Ce serait
pas trop mal, je pense. Voilà, déjà un bon début. Après, je vais pas m'attarder sur cet endroit-là non plus, parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer du gameplay. Peut-être nettoyer un minimum quand même. Voilà. Du coup, sur l'ordinateur, y a-t-il autre chose? Oui. Il y a deux mails. Alors, nettoyage de garage ou radiateur? Nettoyage de garage. Bonjour, pour tout dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les vitres et les outils. Le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne les trouve plus. Salutations, Caroline Martin. Ouais. Et Jacques? Si je dois payer pour quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. L'hiver arrive, les hivers sont rudes et dans ma maison, il n'y a pas de radiateur, installez-les. Ouais. Il a un ton un peu plus sec, mais c'est vrai que si l'hiver arrive et qu'il n'a pas de radiateur, le pauvre bonhomme, il risque de se l'écailler un petit peu. Alors, allons voir ceci. Pas de tâche, monter les équipements. Donc sur le plan, je vois qu'il manque un radiateur ici, puisqu'il est en rouge. Hop, il y a une chambre d'enfant en plus. Donc on va la faire en premier. Hop, un radiateur. Alors, qu'est-ce que c'est bien, parce que dans la maison d'avant, j'ai pris un radiateur à 37 euros. Je me suis fait 600 euros. Tu vois? Si je mets celui-là en place avant, ça ira mieux. Voilà. Et en voilà un. Nouveau point de compétence. Voyons voir ça. Ah, en fait, il y a plusieurs arbres suivant ce qu'on fait. D'accord. Peinture, démolition, rangée, négociation, construction, homme à tout faire. D'accord. Alors, montage 20% plus rapide, plâtre à 20% plus rapide, pose de carreaux et de lames de parquet 20% plus rapide. On va plus faire le montage pour l'instant. Ici, bah c'est bon, je dirais. Hop, on va refermer la chambre du petit. On va faire les autres pièces, voir. On va fermer la porte d'entrée, bien sûr. Dans la cuisine, il y a un radiateur, donc apparemment il ne manque rien. Ok, ferme la porte. Ici, il y a un grand radiateur, donc ça m'a l'air d'aller aussi. Par contre, sur le plan, je vois qu'il manque dans les pièces d'à côté. Il se trouve par ici. D'accord, donc là, c'est un sèche-serviette qui manque. Dans les installations et radiateur celle là-bas. Tac. On l'installe bien sûr, ça sert à rien de l'avoir mis au mur si on l'installe pas. Voilà.
ici. Non, c'est un levier carrément qui manque ici. Bah, je vais pas dévisser si j'ai pas levier. Hein. J'ai acheté le levier avant, sinon je vais mettre de la flotte partout. Non, j'achète le levier avant, j'ai dit. Alors, les éviers. Non, ça marche pas là. Système de plomberie. Salle de bain peut-être. Ouais, voilà. Un petit évier. Non, c'est pas celui-là. Tu peux acheter évier et installer ici. Tiens, il faut que je dévisse avant. Je vais mettre de l'eau partout. Non? D'accord. M'écoute. Pourquoi elle ne veut pas? Je dois d'abord déboucher les bouchons des tuyaux. Ah, les deux autres aussi. Les deux autres, c'est l'arrivée d'eau. Ok, bon. La petite rondelle, le petit écrou. Voilà. L'évacuation, bien sûr, sinon ils vont avoir un petit souci. Voilà. Alors, il reste un radiateur. On est pièce par là. Donc, on va déjà fermer ici. Fermer ici et c'est cette entrée. Ça m'a l'air d'être un radiateur classique. Hop. Installé. Je peux imaginer la tête du client si on lui accroche le radiateur au mur et qu'on lui laisse finir l'installation. Il risque de pas être très content. Voilà. Et ben, nous avons tout fini. Nous avons eu un point de compétence. Ici, voilà. Pour l'instant, on n'a pas creusé le plateau de carrelage à poser, donc autant monter plus rapidement. Parce que le temps, c'est de l'argent. Une photo image.
As-tu remarqué qu'en utilisant l'objet galerie sur la tablette, tu pourras choisir n'importe quelle image du disque dur et l'utiliser pour poster ou comme cadre à suspendre au mur. Tu peux aussi utiliser la caméra pour prendre les photos du jeu et enregistrer tes œuvres sur disque dur. D'accord. J'ai cru voir. Voilà, un point. Négociation. Possibilité de négocier le prix, salaire pour le chantier et l'exigence du chantier. J'ai pris prendre le salaire du chantier parce que ça donne plus 10%. Alors que négocier, ça donne 5%, mais de chance de négocier le prix. Alors que là, c'est 10% sûr. Voilà. Mettre un coup de balai sur ça. Ouais. On peut passer sur la porte. On va faire un petit peu le tour de la maison, voir si on peut la rendre un peu plus jolie. Ouais. Faire un petit peu à chaque fois. On vient un peu dedans quand même, quoi. J'ose même pas imaginer s'il y avait. Heureusement que les clients font leur commande par mail, hein, parce que j'allais dire, j'ose même pas imaginer si. S'ils venaient directement chez nous pour nous confier un travail de nettoyage, ils verraient notre maison et se demanderaient si on est vraiment des nettoyeurs. Oh, les cache-moineaux et tout. Ça vite fait, puis on va aller voir si on a eu de nouveaux mails. Oh, il y a même une toile d'araignée, dis donc. Voilà, on va rentrer. Non, c'est par quoi ça? La porte elle sera changée. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Allez, regardons les mails. Alors, nettoyage du garage, toujours. Mur amarante et préparation de l'accueil d'un membre de la famille. Bonjour, j'aimerais donner un petit côté artistique à la maison toute simple que je viens d'acheter. Je vous demanderai de peindre les murs du salon couleur amarante. Les autres murs en gris, ça ferait très joli. Ah, j'allais oublier. Merci de bien vouloir réparer les prises défectueuses. Merci par avance, Amandine Johnson. On va prendre celui-là. Comme ça, on va voir. J'ai pris celui-là en fait parce qu'il parlait de peinture et comme on n'en a pas encore fait, ça va nous permettre de voir une autre facette du gameplay. Tout simplement. Alors, félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. À partir de maintenant, tu peux peindre les murs avec un pinceau. Tu dois seulement utiliser la tablette pour acheter de la peinture. Ok.
toujours, on ferme la porte. Voilà. Et là, je vois un truc rouge. Donc, il doit y avoir quelque chose de défectueux. La fin, oui, la prise. Effectivement. Effectivement, la prise, elle a changé ici. Hop. On voit même pas les vis tellement. Tellement c'est sale. T'enlèves comment toi? Ah, ok. Et on a. Bah ça va, j'ai même pas la commandée. Le symbole de la masse, il est où? Tu montres? Tu montres pas? Tu montres pas? Oh bah tu le mets directement. Je vais m'embêter à chercher le symbole pour le mettre au bon endroit, moi. Faut pas me faciliter la tâche comme ça, ça m'aurait pas dérangé. Hein. Hop, les petites vis. Voilà, on cache. Et voilà. Donc ici, c'est fait. C'est peindre les pièces. Donc, est-ce que ça comprend justement cette chambre-là aussi? Bon, on verra bien suivant l'avancement. On va déjà faire tout ce qui est bricolage. Et après, on fera tout ce qui est peinture. J'ai vu qu'il y avait encore une prise électrique. Non, ça, c'est d'où on vient. Baie vitrée à l'intérieur de la maison, dis donc. On se refuse de rien. Ouais, il y a une prise ici. Qui est ici. Avec le lit, ça peut être évident. Moi, je pense que c'était ça. Va. Hop. Celui-là, celui-là, les vis. Bon, les vis, ça me paraissait un peu long pour les fils. Ouais, ça doit bien les écraser. Là. Tac. Donc là, c'est fait. C'est pour sortir. Donc ça c'est le salon je suppose. Il y a le canapé, enfin salon cuisine quoi. Alors peindre avec les couleurs aventure amarande écrit. Donc le salon c'était aventure amarande. On va y voir. Magasin. Maison, ça va être dans décoration. Non, pas vraiment. Ouais, il y avait mur. Ouais. Voilà. Donc on cherche aventure amarande. Mais bien sûr, c'est pas par ordre alphabétique. Ah voilà. Aventure amarante. Ouais, on va en prendre plusieurs pots. Parce qu'à mon avis, vu la taille de la pièce, il va falloir au moins. Ouais, on va déjà partir sur 3 pots. Moins 4. Allez, de chaque côté. Le pinceau. Ah, le rouleau plutôt. Et on y va. C'est
C'est assez réaliste quand même, j'aime bien. Bon, c'est un gameplay un peu plus posé que ce qu'on a l'habitude de tester, mais ça change, c'est sympa. Bon, par contre, il a des grands bras. La distance où il met en peinture le mur. Ou alors il a une grande perche, je sais pas, mais... Sans bouger le même, il a été... Il est balèze. Ah, ça y est, faut que je bouge. La fleur, si j'ai repeint sa fleur en rose, il va peut-être pas aimer à mon avis. La fleur non plus d'ailleurs. Finir le topo avant. Point de compétence. Ah. Tu ne gaspilles pas de peinture, tu peins deux murs en même temps, tu peins 25% plus vite. On va prendre deux murs en même temps. Gaspiller la peinture, c'est pas grave, c'est le client qui paye. Ouais. Peindre deux murs en même temps, ça nous permet d'aller plus vite. Alors la couleur est sympa, mais j'aurais pas mis ça dans un salon par contre, plus dans une cuisine. En un peu plus foncé. Ah, il est vite là. Allez, on y est presque. Faut oublier le contour des carreaux. Enfin, des fenêtres. Si je peins les carreaux, il ne va pas être content non plus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, sans y passer forcément des heures, parce que c'est pas mon style de jeu à la base, je vais juste découvrir quelque chose de nouveau, comme je vous ai dit, ça change, mais juste pour le côté reposant et fun, ouais, de temps en temps, pourquoi pas. Puis c'est novateur, c'est surtout ça. C'est une bonne idée, je trouve.
honnêtement, je trouve que le jeu vidéo il manque de bonnes idées et fait beaucoup de réchauffer, et c'est bien dommage. Alors voir des petits gameplays comme ça, comme The Thief ou Housekeeper, c'est sympa. Ça montre que tout espoir n'est peut-être pas perdu pour avoir de nouvelles choses arriver. Bon, après un jeu de cambriolage, fallait oser quand même. Mais là ça va. Petite réparation, petit entretien. Fais notre travail tranquillement, on empoche le cash et puis on s'en va. Après, la section labo de la chaîne sert aussi à ça, hein, découvrir des jeux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Même si ça va être compliqué à trouver parce que malheureusement les genres de jeux se ressemblent un peu tous à l'intérieur de leur catégorie. Mais comme quoi, de temps en temps, on peut trouver des petites choses comme ça sympathiques. Pas fait le compteur de fenêtre non plus. Ah, vous voyez, j'avais dit 4 pots, je vais pas en être loin. Il est vite là. Hop. Bon, heureusement qu'ils ont pas poussé le vis à pouvoir déplacer les meubles, parce que là ça a été assez long quand même. Imaginez bouger le frigo, les tables et tout, les bibliothèques et tout pour pouvoir peindre le mur. Au-dessus de la baie vitrée. Par contre, du coup, je pense qu'ils auraient dû pousser jusqu'à un système d'honneur. Et plus les clients étaient satisfaits, plus on avait des récompenses ou des chantiers importants ou ce genre de choses. Je pense que ça aurait pu être sympa. Peut-être qu'ils l'ajouteront plus tard, peut-être pas. Ça aurait pu être une bonne idée. Ben voilà. Non, ici. Il doit y en manquer quelque part. D'accord, faut faire le contour de la porte. Ok. Enfin, de la baie vitrée. Aurais-je oublié un endroit? Ah non, oui, il faut du gris aussi dans les autres pièces. C'est vrai, c'est vrai. On va enlever les pots de peinture ici.
c'est pas vite celui-là. On va le vider. Bon, ce qui a l'air de rester. Hop. Pour la meilleure finition comme ça. Oui, effectivement, il ne restait pas grand chose. Tac. On va faire le couloir en gris alors. Oh, j'ai un point. Hop. On va voir ça tout de suite. Et ben trois murs en même temps. Allez. Ah oui, il me faut du gris par contre. Alors. C'était marqué juste gris, donc. Je vais en prendre deux pots, couloir pas très grand. Même un pot, je pense que ça aurait pu suffire, on verra bien. Je me demande si c'est ici qu'il fallait en mettre parce que j'ai pas de pourcentage qui augmente. Bon, maintenant je suis en train de le faire, je vais le finir, mais j'irai peut-être voir les autres pièces faire. C'est bien ce que je pensais, c'était pas ici. Hop. On va prendre notre pot plein avec nous. Et puis on va aller voir dans les autres pièces un peu. Ah, je peux pas ouvrir si j'ai le pot dans les mains. D'accord. Alors ici. Il aurait fallu que je mette un peu de gris dans la cuisine. Ça c'est pour les dehors. Ici. Non. Après c'est marqué peindre les pièces. Alors s'il faut peindre toutes les pièces de la maison en gris. Ici, quand j'en reviens, j'ai peint avec les couleurs aventure, amarante et gris.
un peu discret au plafond, on va voir. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Voilà le fond de cuisine. Ça rebaisse. Donc la marante c'était pas ici, le gris c'était pas ici. On va prendre un pot d'amarante du coup. Ça voudrait dire qu'il faut faire toutes les pièces en gris après, essentiellement. Donc on peut peindre les murs par 3, ça va plus vite. Il faut que je rachète de la peinture. On va en acheter un, ça devrait aller. Sur le lit pour faire le mur le calme. Je sais pas trop si c'est ce qu'il faut faire, mais bon, écoutez. Je ne vois que ça. Parce que quand je mets du gris dans la cuisine, il m'enlève du pourcentage. Donc bon. On va bien voir en faisant les autres pièces en gris. Si on chope pas le dernier point en peinture avec tout ça. Oubliez le contour.
pour acheter un pot. Hop. Allez, efficacité, efficacité. Ah oui, je voulais vous dire aussi, pas là, parce qu'il y a déjà 3 let's play en cours, le labo. Mais quand j'aurai fini un let's play, au lieu de faire 3 let's play un labo, je ferai peut-être, c'est à voir quel format je vais faire, mais je ferai peut-être 2 let's play, un labo et un peu de rétro. Donc si jamais vous avez votre avis sur la question, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, ça peut être sympa. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée, mettre une petite section rétro gaming. Parce que mine de rien, il y avait des jeux fort intéressants quand même. Et bien plus compliqué que certains jeux actuels. Mais bon, après on va rentrer dans un vaste débat. On n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. C'est tout ce qui compte. On peut aussi dire qu'à l'époque les jeux étaient finis quand ils étaient vendus, mais ça servait à rien. Ça changerait pas les choses. Mais il nous faut un pot. Écoutez, on est à 900$ de bénéfice. Si quand j'ai fini cette pièce, ça nous valide pour la mission, on partira. Et puis on verra vite fait ce qu'on nous propose d'autre. On va partir sans finir la pièce non plus, mais... Et je vais peut-être pas non plus vous faire patienter jusqu'à faire toutes les pièces de la maison. Et honnêtement, pas sûr que j'en aurai le courage d'ailleurs. Le pot est fini. Hop. Il aura fallu 4 pots aussi, mine de rien.
Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Peut-être pas se taper toutes les pièces de la maison non plus. On va valider la mission. 95% 900 euros. Oui, ça me va. Du coup, rentrons chez nous. On va peut-être s'installer un petit radiateur quand même. On va bouger la commode parce qu'elle risque de gêner. Voilà, bouger le lit. Et on va se mettre un petit radiateur. Ça nous évitera de mourir de froid avant d'être riche. Ah, là d'ailleurs, dans la salle de bain, il en manque un aussi, le temps qu'on y est. Et puis, il y a besoin d'un petit nettoyage aussi d'ailleurs. Je pense que ça nous fait de l'expérience aussi, honnêtement. Que ce soit bricolé chez nous ou bricolé chez les clients, je pense que l'expérience est la même. C'est dans l'équipement installation. Et ça sèche serviette. Voilà. Et voilà. Je vais me mettre droit, mais mon pauvre est un peu cassé. À changer tout ça quand on pourra. Du coup, l'ordinateur. Ah, on n'a plus qu'un mail. Enfin, un nouveau en tout cas. Préparation de l'accueil d'un nouveau-né dedans. D'un nouveau membre de la famille. Bonjour, bonjour. Ma belle femme est enfin enceinte et nous sommes débordés comme jamais, mais aussi très heureux. Je ne sais plus moi-même par quoi commencer. Il y a tellement de choses qu'il faudra faire avant la venue au monde de ma petite princesse. On est déjà sûr que c'est une fille. On a acheté une petite maison très jolie pour nous trois. Malheureusement, il faut la nettoyer du fond en comble et il faut préparer une chambre d'enfant. Je compte sur toi pour t'occuper de remettre cette maison en ordre et de préparer une chambre d'enfant, d'acheter un lit, une table allongée, peut-être quelques jouets. Je m'en remets à toi et n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Merci d'avance pour ton aide, cordialement, Marc Savon. Bah, rien de nouveau dans cette mission, c'est encore de la peinture et du nettoyage. J'aurais bien voulu vous montrer autre chose. Bah écoutez les amis, on va se laisser là. Ça, c'est les maisons qu'on pourrait acheter plus tard, je pense. Ouais. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vais voir pour avancer. Et si jamais il y a d'autres options, parce que je sais qu'après, on peut démonter des murs pour agrandir les pièces et tout. Donc si après, je tombe sur ce genre d'options, je referai peut-être une vidéo pour vous montrer un peu plus de gameplay. Mais là, on vient de refaire une maison en peinture complète, du nettoyage et tout, et là, on retombe sur la même chose. Honnêtement, je pense pas que ce soit intéressant pour vous. Donc, comme je vous disais, je vais continuer un petit peu
hors capture. Et puis quand je tomberai sur du gameplay que je vous ai pas encore fait découvrir, je referai peut-être une petite vidéo dessus. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et à bientôt. Salut, salut.